Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne de télévision de la communauté germanophone de Belgique, BRF Fernsehen. L'activité télévisuelle de la BRF commence en 1993 par la diffusion sur la fréquence câblée de la chaîne locale verviétoise Télévèdre 1 du magazine hebdomadaire d'investigation Masquerade, auquel s'ajoute plus tard le magazine d'information et d'actualité MAG. Le 4 octobre 1999, la BRF crée KA3 pour Canal 3, renommé 5 ans plus tard le 4 octobre 2004, en BRF TV, un programme de télévision quotidien produit et diffusé sur la câble dans la communauté germanophone. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Medienzentrum à Eupen et la communauté germanophone. Le magazine Zen4, créé en même temps que KA3, change de nom en même temps que la chaîne en 2004 en s'appelant désormais BRF Blickpunkt. Le renommage de la chaîne ainsi que le Zen4 sont la conséquence d'une rénovation de la chaîne décidée en septembre 2004, à la suite des sondages réalisés auprès des téléspectateurs de la communauté germanophone de Belgique en avril 2004. Le 23 juin 2015, l'identité visuelle comme le site internet de la Belgischer Rundfunk sont renouvelés et BRF TV change le nom pour BRF Fernsehen. Avec ce changement, le logo créé par le graphiste belge Michel Olive pour la RTB et la BRT et la BHF, aujourd'hui respectivement devenues la RTBF, la VRT et la BRF, en 1967, disparaît du secteur audiovisuel belge. L'émission la plus regardée est Blickpunkt. Le logo représente BRF bleu foncé et Fernsehen jaune, le tout sur un fond transparent. Je vous mets le lien de BRF Médiathèque dans la description et je vous souhaite un bon visionnage.